Allez, t'es prêt? On reprend Ok. la la la. La 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 la. Benji, j'ai quelque chose pour On toi. répète. Oui? Excusez-moi de vous embêter. Tiens, Benji, ton père m'a donné ça pour toi. Oh la vache! Ah, oh, ça va être encore une connerie qui va envahir l'appart. Bon, allez, je te laisse, je vais retourner aider ma mère. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est le sable de mon arrière-arrière-grand-père. Ah bon? Enfin, arrière-arrière-arrière-arrière. Oui, bon, bah Enfin, c'est je bon, sais j'ai plus très compris. bien, mais c'est un sable qui a servi durant la guerre avec Napoléon III contre les Anglais. D'accord, il a l'air d'avoir une sacrée valeur sentimentale. Ah oui, il transmet de génération en génération. Ça a été mon grand-père ensuite, mon père, et maintenant c'est moi. Ça doit coûter cher un truc comme ça. Eh mais qu'est-ce que tu fais? Je mets sur le bon coin. Bah pourquoi faire? Bah faut bien que je m'achète le dernier colof, hein. Hey, salut tout le monde, c'est Benji, bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Rider. Je suis en compagnie de Greg. Hey, salut! Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un jeu des studios Rare. Rare? Ah, comme les jeux Nintendo? Alors oui, ce studio a créé et adapté de nombreux jeux sur les consoles de Nintendo, comme le Battletoads sur la Super Nintendo, ou bien Star Fox Adventure sur la GameCube, ou encore les célèbres jeux de la Nintendo 64, comme GoldenEye 007, ou Conquer Bad Fur Day. Et vous connaissez la suite, le studio Rare a été racheté par Microsoft, et donc aujourd'hui nous allons vous parler d'un jeu sorti sur Xbox One et PC. C'est de la merde la Xbox. Alors là, désolé, je peux pas laisser passer ça. La Xbox c'est la meilleure console de tous les temps, parce que je vais te dire un truc, sur la Xbox... La fête. Greg a raison, on va pas rentrer dans les débats. Il s'agit de Sea of Thieves, sorti en mars 2018, et comme vous pouvez le voir sur l'image, il s'agit d'un jeu de piraterie. Non mais arrête de faire ça, je t'ai déjà dit que tu faisais peur à tout le monde et en plus tu te pètes la honte, franchement. D'accord. Bon, sinon j'ai pas mal parcouru le jeu avec un autre joueur et il est donc normal que pour cette vidéo, mon second prenne aussi la parole. Pourquoi c'est moi le second? C'est vrai ça, pourquoi tu dis ça? Il a autant le droit d'être Greg, capitaine que toi? Son personnage est une femme. Ah. Quoi? Mais je peux être la capitaine quand même! Non, mais j'ai une meilleure solution. Ah? Mais quoi donc? Retourne dans la cale et fais-nous à manger. Écoute le petit gars. Bref, au démarrage du jeu, on a le choix entre plusieurs modes, comme le mode aventure, qui est en fait l'aventure principale, vous en doutez bien. Mais il y a aussi le mode arène, qui est en fait des batailles navales en PVP, je pense. Oui, parce qu'il s'agit d'un jeu massivement multijoueur, en fait. Et c'est quoi le dernier? Alors ça, j'en sais rien, je suis resté que sur le mode aventure. Et ensuite, on arrive au moment où on doit choisir son bateau. Alors on a le choix entre le Galion, qui est le vaisseau le plus grand et le plus armé, le brigantin qui est le modèle intermédiaire, et bien sûr le sloop qui est le plus petit bateau, le plus fragile et le moins armé. Et nous, ben, comme on était que deux, ben, on a pris le sloop. Voilà. Attends Benji, j'aimerais préciser quelque chose. Si lorsque l'on joue seul ou à deux, on utilise toujours le sloop, il y a une bonne raison à cela. En effet, le jeu choisit d'avoir un gameplay typé simulation. On doit y gérer les voiles, la barre, l'ancre, les canons, etc. Tout en faisant attention aux dégâts que notre bateau peut avoir au cours de nos voyages. Donc, ce qui nous laisse encore la cale, en plus de ça, à gérer. Et de ce que je sache, même si mon personnage est une femme, on ne peut pas gérer plein de choses comme ça à la fois. Le jeu a pour principe de nous laisser en totale liberté sur les mers d'un monde ouais, ouvert. Ouais, enfin, les mondes ouverts sans réel objectif, on peut vite se faire chier. Eh bien non, mon petit bonhomme. En se promenant librement, on peut découvrir des trésors, visiter des îles, combattre d'autres pirates ou des monstres comme des squelettes sur terre ou sur mer. Parfois, on rencontre même le kraken ou le mégalodon. En fait, le mégalodon, c'est un grand requin. Et en parlant de requin, la mer en est remplie. Alors faites gaffe si vous voulez pas vous faire bouffer, ne restez pas dans l'eau trop longtemps. Le jeu est rempli d'événements apparaissant de manière aléatoire sur la carte, que ce soit la météo ou les ennemis qui apparaîtront au cours de nos périls. Nous apparaissons toujours sur un avant-poste où nous pouvons récupérer diverses quêtes, telle que la chasse au trésor, en passant par les chasseurs d'âmes, en allant jusqu'aux livraisons.
On peut également acheter des skins dans le jeu pour nos armes, nous-mêmes et les bateaux. Mais tout ceci n'est purement que cosmétique, comme pour Fortnite. Exactement, sauf que c'est avec l'argent du jeu et pas le vôtre. Alors non, pas tout à fait. Si une partie des skins sont achetables grâce aux pièces d'or récupérées au fur et à mesure des quêtes, une petite partie des cosmétiques sont achetables avec du véritable argent. On compte parmi elles, malheureusement, les familiers. Ouais, enfin, je pense qu'il faut être idiot pour dépenser des frics qui ne t'apportent vraiment rien au jeu, quoi. Alors non, là, Benji, je suis pas d'accord, parce que c'est quoi ce putain de singe ? T'es en train de parler pour toi. Bon, d'accord, j'avoue. Mais regarde, il était trop mignon avec ses petites pattes et tout. Pigeon, va. Sinon, le jeu dispose pour le moment de 9 missions principales qui vous tiendront plusieurs heures à combattre des squelettes, chercher des trésors ou encore résoudre des énigmes. Ah putain, ces putains d'énigmes où tu cherches un caillou pendant des heures et qu'au final tu te rends compte que... Eh ben, c'est pas le bon caillou. Tout ça, c'est bien beau, mais on le fait déjà dans les petites quêtes des avant-postes, en fait. Alors oui, je suis d'accord, mais les missions sont quand même bien plus longues. En plus, on découvre des endroits cachés sur les îles qui se dévoilent qu'avec des objets de quête. Et en plus, il y a un semblant de scénario. Petit aparté pour vous dire qu'une clé du jeu Sea of Thieves se cache dans la vidéo. Alors elle est aussi bien valable sur PC que Xbox. Et elle est divisée en plusieurs morceaux. Alors vous inquiétez pas, c'est dans l'ordre. Je ne suis pas sadique à ce point-là. Mais si vous la trouvez, je vous prierai de l'écrire dans les commentaires. Comme ça, ça m'éviterait de me demander si elle a été utilisée ou pas. Allez, on reprend. Il est vrai que le jeu est bien fourni. En effet, nous avons une multitude d'objets à notre disposition. Que ce soit une simple pelle, une boussole, une carte... Ah bah non, la carte on l'a pas, et ça c'est bien dommage. On a une carte dans la cale, mais pas dans notre inventaire. Petit hommage à Greg, le joueur buveur, on a même une chope de bière. Oh chouette, j'arrive ! Ouf ! Greg, non, t'enflamme pas, c'est que des bières virtuelles. Bah, ok. En plus des quêtes, il faudra aussi penser à récupérer des vivres, comme des fruits, de la viande, ou même du poisson, que l'on peut récupérer dans des caisses, des tonneaux, en chassant ou en pêchant. Il faudra aussi penser à récupérer des planches et des boulets que l'on trouve aussi dans des tonneaux pour le bateau, car mine de rien, on peut se retrouver vite à court. C'est vrai, et si vous ne voulez pas vous battre avec les autres navires, vous avez encore la possibilité de former des alliances, vous permettant, si les autres joueurs le veulent, de bénéficier d'une aide supplémentaire lors des batailles navales, mais surtout, d'acquérir de plus grandes richesses, car oui, tous les biens seront partagés entre tous les navires de l'alliance. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce jeu, et même s'il n'est pas sans défaut, il dispose quand même d'une très bonne réalisation, et pour l'instant, je ne m'ennuie jamais. Mais pourquoi le bateau est en train de prendre feu ? Je crois que j'ai fait cramer mon poisson. Et voilà pourquoi tu ne peux pas être capitaine. Il a raison. Bref, merci encore à Didine, Kevin Le René, Greg le joueur buveur, et Kevin, il était un joueur d'avoir contribué à cette vidéo. Et tant qu'on y est, Kevin, tu veux pas nous parler un peu de ta chaîne ? Alors déjà, merci Benji de m'avoir invité sur Gaming Room TV, ça m'a fait très plaisir de participer à cette vidéo. Alors oui, je peux présenter ma chaîne vite fait. En gros, c'est une chaîne où on revient sur des jeux vidéo terminés dernièrement et où je peux aborder divers sujets comme le problème des succès dans les jeux vidéo, par exemple. Enfin, j'ai fait une petite parenthèse à ça. Les vidéos sont tournées de manière un peu humoristique, un peu de mauvaise foi de temps en temps. Je m'éclate à tourner mes vidéos, donc n'hésitez pas à passer, du coup, faire un petit tour, un petit coucou, à vous abonner, à mettre des petits likes si vous aimez les vidéos. Rien ne vous oblige à les aimer, hein. Ou dislike d'ailleurs, si jamais elles ne vous plaisent pas. Ça me permettra d'évoluer dans ma carrière de youtubeur. À défaut d'avancer dans ma vie. Allez, ciao! Et tant qu'on y est, je vais encore faire une petite pub pour un ami qui a une chaîne qui s'appelle Le Tribunal des Jeux Vidéo. Et il fait des vidéos vraiment bien travaillées, et j'ai hâte de voir la suite. Allez, salut !